Sobodier Mélidier, leader de jeunesse à Tekoubé, ex-président de la GPDCI et du RJDP, directeur local de campagne à Bidianté. Quant aux élections, à l'organisation des élections ici à Tekoubé, je pense que le directeur départemental de campagne, M. Léon Paulin-Claude, a mis vraiment les bouchées doubles. À l'instar des autres localités où l'on ne sent pas la ferveur, l'engouement au niveau de la campagne ici à Tekoubé, c'est tout à fait le contraire. Il a tout mis en œuvre pour que tout le monde soit satisfait à un degré que ce soit au niveau des gardiens, même si cela ne suffit pas et ça ne pourra jamais suffire. On essaie de tout faire pour que les jeunes, les femmes, tout le monde puisse avoir quand même un souvenir. Et pour la semaine qui vient de s'écouler, je pense que le bilan est largement positif au point de vue animation. Parce que depuis le dimanche dernier, vu le giga meeting qui a été organisé à l'honneur du président de la République, le candidat, qui a été une réussite avec plus de 40 000 personnes, il y a eu aussi le meeting des jeunes avec le ministre Sidy Touré. Et les différents meetings dans les quartiers, dans les zones qui ont eu lieu, il y a eu un engouement, il y a eu une ferveur, les populations sont sorties. Mais est-ce que cela suffit pour réélire le président Alassane Ouattara, comme il l'aurait souhaité ici à Tekoubé, à plus de 80 000 voix? La question reste posée et c'est ce à quoi nous devons nous atteler et nous allons le faire dès maintenant. Nous allons mettre des équipes en place au sein des zones, des rues, pour aller retirer les cartes d'électeurs. C'est vrai que les gens sortent pour le retrait des cartes, mais l'engouement n'est pas total. L'engouement n'est pas total comme les meetings dans les quartiers. À l'instar des meetings et d'animation dans les quartiers et dans les zones, le retrait doit être aussi total des cartes d'électeurs. Et je pense que depuis ce matin, l'engouement est total et nous allons continuer, nous allons accentuer là-dessus que le maximum d'électeurs ici à Tekoubé est le 4 électeurs. C'est à ce seul prix que nous allons atteindre l'objectif à nous fixé par le président de la République. Et pour vraiment permettre au directeur départemental de campagne de mériter cela, parce qu'il le mérite. Il est au four, au moulin, et nous devons nous battre pour que tout le monde puisse avoir sa carte d'électeur et aller voter Ouattara, afin qu'au soir du 25 octobre, la fête soit totale. Je vous remercie.